Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo-là, je vous montre comment vous modifiez un variateur d'origine de votre scooter. J'espère que ça va vous plaire cette vidéo-là. N'hésitez pas de la liker et de s'abonner à la chaîne pour m'encourager de vous faire plus de vidéos. Et là les amis, on a un embrayage de Piaggio. C'est une Gilera 2 temps, moteur 180. Et après, vous pouvez le faire sur tous les variateurs, les amis. Là, la première des choses, il faut que vous enlevez les trois boulons là pour ouvrir le variateur. Retirez vos galets. Et là, les amis, vous retirez le canot. Et là, déjà, mon frère, il a déjà fait une. En fait, ce que vous faites, voilà, je sais pas si vous voyez, attendez, là il y a la lumière, vous faites comme ça là, et là il va vous montrer comment vous faites les amis. En fait, l'astuce, c'est que vous effacez un peu la matière ici, comme ça vous galez les amis et monte jusqu'au bout, et comme ça votre courroie va monter au maximum et vous allez gagner entre 5 et 10 km heure. Et là, on vous montre les amis comment vous allez le faire. C'est simple, et il suffit juste d'avoir une perceuse ou une visseuse. Sinon, vous pouvez le faire même avec un papier à penser, les amis. Vous pouvez le faire, hein. Si vous n'allez pas. Vous n'avez pas cet appareil-là, les amis, vous pouvez le faire même avec du papier à penser. Et là, on vous montre l'astuce, les amis, vous allez voir, c'est simple. Et là, les amis, on vous montre comment vous faites. Et là, les amis, vous prenez une autre douille pour la remettre bien. Et voilà les amis, là vous voyez le résultat. Là, je sais pas si vous voyez la différence. Attendez, je vous emmène à la lumière. Voilà. Là, vous voyez les amis. Là, votre galet. Attendez. Je sais pas si vous voyez. Le galet, là il monte jusqu'au bout. Attendez. Voilà. Vous voyez les amis? Moi j'ai déjà essayé cette astuce-là les amis sur un scooter chinois. À la base mon scooter d'origine il roule à 45. Et quand j'ai fait comme ça à mon variateur et j'ai rien changé. Mon scooter, il roule entre 47 et 50 à l'heure. C'est pour ça que je vous conseille de faire ça si vous voulez améliorer l'accélération de votre scooter ou même la vitesse de pointe. Vous pouvez gagner entre 5 et 10 km heure. Après, ça dépend les moteurs, les amis. Un moteur 4 temps, c'est pas comme le moteur 2 temps, hein. Avec un moteur 2 temps, vous gagnez plus de kilomètres. C'est pour ça, et en fait, si vous voulez, quand vous faites ça, votre courroie, à la base, la courroie arrive, on va dire, je sais pas si vous voyez les traces là, la courroie arrive à ce niveau-là, et quand vous faites comme ça, les amis, votre courroie va monter au maximum. Elle arrivera jusqu'ici, en fait, au bord de votre variateur. Bah, j'espère que ça va vous plaire, cette vidéo, les amis.
N'hésitez pas de la liker et de la partager les amis et de s'abonner à la chaîne pour m'encourager de vous faire plus de vidéos. Et n'hésitez pas de me demander des vidéos les amis. Là comme je vous ai dit au début, je suis en Algérie chez mes parents et j'ai mon frère qui touche à ça. Il touche à tous les motos et les scooters. N'hésitez pas de me demander des vidéos et moi je vous fasse ça.